Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une grande première. Bon, grande première, je sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais ça va être la première balade que l'on va faire avec les loulous aux écuries, parce que depuis qu'ils sont arrivés ici, ça va bientôt faire un an, et bien mis à part le box et les prés et paddocks des écuries, bah, je ne suis pas encore partie en balade avec eux. Donc aujourd'hui, j'ai ma maman qui m'accompagne, donc on va profiter le temps qu'il ne pleuve pas pour aller faire une petite balade pour voir comment réagissent un peu les loulous dans un nouvel environnement, parce que surtout pour Golden depuis que je l'ai pas énormément sortie en extérieur, donc je ne sais pas vraiment comment elle peut réagir face aux différents bruits, surtout que le chemin qui mène aux écuries est juste à côté d'une voie rapide, donc des voitures qui passent, donc pas mal de bruit. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'habituer mes loulous à tous ces bruits là qui peuvent leur faire peur, et justement travailler là-dessus pour que voilà, ce soit plus le cas par la suite. Donc on va aller faire un petit pansage aux loulous et ensuite on est parti pour cette première balade. Donc c'est parti.
actuellement assise par terre pour éviter le plus le vent, malgré que ça change pas grand chose. Donc là on n'a pas fait grand chose, hein. On a quoi fait même pas, on a fait combien de... Encore un kilomètre. On a fait 500-600 mètres, bah, juste le temps d'arriver, comme je vous ai dit, au niveau de la route. Comme je vous ai dit, c'est, bah, de base c'est pas évident quand on a trois loulous, que même en ayant deux en main, bah, dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre bouge forcément. Donc c'est vrai que c'est pas évident, donc je pense que c'est mieux que je puisse les sortir tous les trois, bah, le jour où j'ai au moins deux personnes avec moi, comme ça chaque personne prend un poney. Mais voilà, il y a des moments où ça va, ils sont calmes, et d'autres où il suffit qu'il y en ait un qui pète un câble et c'est fini. Mais voilà, en soi ça va. On a eu deux fois des voitures qui sont passées sur le chemin, on est allé directement dans les champs à côté. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de perturbation, donc plutôt satisfaite. Donc là on va continuer un peu la balade et on va voir comment ça se passe. Bon, on arrive dans un endroit qui est assez guédouilleux, donc j'en ai deux à tenir en une main. C'est pas évident, mais là on va être un peu plus au calme. Là-haut, donc comme vous voyez un peu au fond, il y a les voitures, donc il y aura moins de bruit. Et voilà, c'est un pète sang, hein. La petite Laya, elle, bon, elle fait sa vie, hein. Rien ne lui fait peur. Golden, elle avance plutôt bien, je suis contente, elle suit. Bibi, bah, c'est Bibi, hein, toujours en train d'essayer de bouffer. Et Gossip, c'est celle qui est derrière, hein, pour pas changer. Bon, je vous reprends avec mon téléphone. Je n'ai même pas réfléchi deux secondes en me disant, tiens Océane, pour une vidéo, tu vas devoir tenir deux poneys. Pourquoi tu prends pas un truc plus léger que ceci? Non, c'est en plein milieu de la balade que je me dis, bah voyons Océane, t'es bête? Bah ouais. Et voilà. Donc je pense que la suite de la vidéo va être comme ça. C'est 100 fois plus simple pour vous montrer un peu tout le monde. Voilà. Compagnie. Ah, mais regarde, ils nous suivent tous. Je crois qu'on leur amène à manger. Il est mouton, hein? Ouais. Bon, on s'est arrêté parce que du coup le chemin il va jusque là-haut, donc on sait pas où ça mène. Le temps, c'est pareil depuis tout à l'heure, mais le temps qu'on fasse demi-tour, qu'on laisse les loulous au box et tout, bah ce sera l'heure de rentrer. Parce que, hein, couvre-feu, impose que 21h, bah on doit tous être chez soi, hein. Donc on va pas traîner, malgré que je pense qu'il doit être dans les seulement 17h. Mais le temps que je rentre, que je vous tourne, bah, je fasse le montage de cette vidéo là, bah il sera l'heure. Voilà. Donc on va repartir. 16h53. Quelle heure? Quelle heure? 16h53. Ah, 16h53. Ah, il est tôt. Ouais, bah le temps qu'on arrive, il sera 17h passé. On part pour 17h30. Donc voilà, on est reparti. Ils sont calmes, les loulous. C'est bien ça. C'est très bien, mes doudous. Nickel. On va passer en dessous du pont. On va voir est-ce que... Vous allez pouvoir voir leur petite réaction, s'il y en a, en espérant. Ah mais bien sûr, quand on passe en dessous, il n'y a aucune voiture qui passe au-dessus. Attendez, stop. Un stop. Un stop, les loulous. Bah, nickel, ça. Nickel. On arrive tranquillement. Laya aussi a été très gentille, très exemplaire, je suis contente.
Elle n'a pas été attachée de tout le trajet. Miss Gossip, bah, faut prendre son temps avec elle, hein. Eh, mes mères, bah, l'audi, dur, hein.